Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler bikini et plus précisément de la marque Belle des Pins. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions que vous m'aviez postées. Sur Instagram, ainsi que vous donner un avis, vous montrer les maillots de bain. J'avais déjà fait un IGTV où je portais les maillots de bain pour vous les montrer, mais vous m'avez quand même demandé de faire une vidéo qui soit un peu plus complète où je vous raconte un peu plus notre collaboration, que je réponde à vos questions, etc. Et c'est normal d'ailleurs, dans le IGTV j'avais oublié de vous montrer un maillot de bain. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous laisse avec la suite. De vraiment commencer cette vidéo, j'aimerais préciser que je ne suis absolument pas rémunérée pour vous parler en bien de la marque. Donc mon avis est totalement fiable parce que en soi, si quelque chose ne me plaît pas, je le dis ou bien j'en parle pas parce que j'en vois pas l'intérêt de faire la pub de quelque chose que je n'aime pas. Mais sachant que j'adore cette marque et que j'ai vraiment envie de vous la faire découvrir et vous la partager tout simplement, eh bien je le fais. En plus, ça me fait beaucoup de traiter de ce sujet sur ma chaîne YouTube parce que c'est vrai que je fais pratiquement pas de vidéos et j'ai dit que je m'y remettais vraiment. Donc certes, avec ma soeur, on est entre parenthèses les visages. Bon, ça fait un peu prétentieuse. Bon, je sais pas trop comment dire autrement, donc vous avez compris ce que je voulais dire. Hein. Je fais pas en mode ouais, on est les visages de la marque, genre clairement pas. Je vais commencer par parler de la collaboration, parce que sans ça, je pourrais pas vous parler du reste de la vidéo. Du coup, je vais faire venir ma partenaire, ma soeur, celle avec qui on a fait tout ça. Alors Mélissa, je vais te poser des questions, tu vas nous répondre pour éclaircir cette collaboration entre... de notre communauté. Bien sûr. Donc, dis-nous tout. Comment s'est déroulée cette collaboration? Pourquoi nous? Pourquoi en fait, tout simplement? Par rapport au coronavirus, c'est vrai que normalement l'équipe Belle des Pins devait partir en voyage comme pour toutes les collections pour pouvoir faire la promotion des nouvelles pièces. Et par rapport à la crise sanitaire qu'il y a eu, ils n'ont pas pu partir. Et donc nous, étant les sœurs Brasier confinées face à la mer avec une piscine, on nous a proposé. Là, comment on est devenu, entre parenthèses, on va dire, les visages de la marque, c'était un peu genre une espèce de plan B, ça. Ouais, plan B. Et donc du coup, qu'as-tu pensé de cette collaboration avec la Belle des Pins? Je suis super contente. Je suis super contente parce que non seulement c'est une super marque qu'on représente, c'est une marque française. Et les maillots de bain, ils sont top. On aurait pu représenter une marque juste pour représenter une marque et pas nous plaire, mais les maillots de bain Belle des Pins, en fait, on les porte depuis bien avant. Donc pour nous, en fait, c'est juste bénéfique. Donc on est super contente. Du coup, voilà comment s'est déroulée notre collaboration, pourquoi et comment. Commencez par vous présenter les pièces une à une avec leur prénom. Et vous rajoutez aussi la pièce que j'avais oubliée dans mon IGTV. Donc attention, petit disclaimer par rapport à la présentation des maillots de bain. Vous allez voir mon corps, ne soyez pas choqués, hein, on est d'accord. Si vous êtes offensé par avance que je vous dis ça, quittez tout de suite la vidéo, mais venez pas m'embêter dans les commentaires, c'est tout ce que je demande. Du coup, je vous laisse regarder ça maintenant. Sapin dans cette nouvelle collection. Donc dans la barre d'infos, j'ai mis le lien de chaque maillot de bain dans l'ordre pour que vous puissiez les retrouver. Il y a beaucoup de pièces qui sont parties très très vite, donc malheureusement il y en a plein qui sont sold out. Peut-être qu'après il y aura un réassort et tout ça, donc maintenant on va passer à vos questions que vous m'avez posées dans la petite étiquette Instagram. Non. Donc maintenant on va passer à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. On va commencer par parler des maillots de bain en eux-mêmes. Y a-t-il des grandes tailles ainsi que des petites tailles? Alors vous avez de tout, ça va du S au XL. De toute façon je vous laisse la charte de taille juste ici, de toute manière elle est disponible sur le site lorsque vous voulez choisir votre maillot de bain. Donc je pense qu'il y en a un peu pour toutes les tailles. Est-ce que les maillots de bain sont disponibles en plusieurs couleurs? Alors, comment je vais pouvoir expliquer ça?
Chaque maillot que je vous ai présenté est disponible dans toutes les couleurs que vous avez vues. En fait, tous les modèles sont disponibles dans toutes les couleurs que vous voyez pour chacun des modèles. Enfin, je sais pas si vous avez compris, de toute façon, si vous ne comprenez pas trop, allez voir sur le site, vous allez tout de suite comprendre ce que je voulais dire. Bon, je parle pas. Est-ce qu'il y a que les tangas? Alors ça, c'est un peu la marque de fabrique de Belle du Pain. C'est le tanga, c'est leur... C'est vraiment leur signature. Les maillots de bain sont-ils push-up? Dans les maillots de bain, il n'y a pas de coque. Par contre, ils sont doublés, évidemment. Mais il n'y a pas de coque et ils ne sont pas vraiment faits de manière à ce que ça, ça push-up. Est-ce qu'on peut prendre des tailles différentes entre le haut et le bas? Alors ça, c'est un des avantages de Belle du Pain. C'est que vous n'achetez pas un ensemble, vous achetez deux pièces. Et donc, du coup, ce qui vous permet de pouvoir changer soit entre les styles, soit entre les tailles. Par exemple, je sais pas, moi, vous kiffez ce haut-là. Mais normalement le bas qui va avec c'est celui-ci, vous voyez. Mais si vous n'aimez pas ce bas là, bah vous changez, vous mettez par exemple celui-ci. Je sais pas si vous comprenez. C'est pareil par rapport aux tailles, si en haut vous mettez du S, en bas vous mettez du M, bah vous avez la possibilité de prendre les deux tailles. Je demande aussi quelle taille je prends moi. Alors tous les maillots de bain que je vous ai présentés sont tous en taille S, que ce soit le haut ou bien le bas. Maintenant on va passer aux questions rapport qualité-prix et expédition des maillots. Quelle est la tranche de prix? Alors moi je dirais que pour un ensemble ce serait approximativement 90 € et pour une pièce c'est 95 €. Mais autrement si vous achetez séparément je dirais que les hauts sont on va dire à 45-46 € et les bas ça va de 38-46 €. Rapport qualité-prix. Alors moi personnellement je suis Donkeys même si je ne serai pas en collaboration avec eux. Je pense que c'est vraiment une marque de très très bonne qualité qui propose à des prix adéquats. Pour certains, ce serait cher de mettre 90 € dans un maillot de bain. Mais sachez une chose, par exemple, vous allez commander sur un site comme, je sais pas moi, Zafou, Wish ou Shane. Vous allez peut-être payer votre commande 90 € et vous allez avoir allez, peut-être 8 maillots, quelque chose comme ça. Mais on sait tous que c'est pas de la bonne qualité et que si c'est pour les garder qu'un été pour qu'ils deviennent... ils perdent l'élasticité, qu'il y ait des défauts, qu'ils soient trop grands, trop petits, qu'ils se trompent dans les commandes, que vous receviez votre produit un mois après. Franchement, personnellement, je préfère m'acheter un maillot de bain beaucoup plus cher, que je suis sûre de recevoir, de bonne qualité, qui ne va pas perdre en élasticité, qui ne va pas perdre en couleur, il n'y aura jamais un fil qui dépasse ou quoi que ce soit. Donc moi je pense que le rapport qualité-prix est vraiment vraiment honnête. Et pour terminer, peut-on aussi recevoir dans les Antilles? Si oui, y a-t-il des frais? Alors oui, on peut recevoir dans les Antilles, donc ça prend toujours un petit peu plus que temps qu'en France métropolitaine. Et les frais sont entre 7 et 9 euros. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur la marque parce que ça m'a été beaucoup demandé. Alors moi, personnellement, Belle du Pain, c'est une marque que j'ai toujours appréciée, que ce soit les designs, les couleurs. Ils ont toujours fait des collections hyper originales. Une qui m'a vraiment marquée, c'est celle de l'hiver 2018, il me semble. Oui, c'était 2018. Ils avaient fait une collection en velours. Regardez. Magnifique. Ils ont toujours choisi des couleurs et des formes de maillot de bain hyper originales qui sont belles et qui mettent surtout le corps en valeur. Et pour cette collection, bah, j'ai adoré le côté satiné des maillots de bain qui vraiment genre qui soit brillant, que ce soit pas du bullshit quoi. Genre vraiment quand tu vas au soleil, ton maillot de bain il pète quoi. Alors voici une question qu'on m'a énormément posée et que je tiens vraiment à éclaircir parce que vraiment. On m'a beaucoup demandé est-ce que vous avez participé à la conception des maillots de bain? Donc du coup non, on a absolument pas participé à ça. Ton avis sur la marque? Alors moi personnellement je trouve que les maillots de bain taillent bien, j'ai jamais eu de problème d'élasticité, d'une perte d'élasticité, un fil qui dépasse, l'envoi est toujours rapide. Donc j'ai rien à redire, le rapport qualité-prix même si personnellement je les achète pas, je trouve qu'il est vraiment honnête. Après c'est mon avis, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir acheter un maillot de bain à 90 €, mais voilà, après il faut savoir faire la part des choses entre qualité et quantité. Si tu pouvais en choisir un seul de la nouvelle collection, lequel serait-il? Impossible. Impossible. Bon, j'avoue que j'ai peut-être une petite préférence pour le carmin, parce qu'il est genre magnifique. Mais en vrai, ils sont vraiment tous beaux. Mais si je pouvais en choisir un que je n'ai pas encore, ce serait le Tropicalis jaune avec le bas Closa jaune. Pop, 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 trop beau. Dernière question, un peu hors catégorie parce qu'elle est beaucoup plus personnelle. Qu'est-ce que tu ressens après tout ça? C'est quoi la suite? Donc ça a été posé par une copine à moi, elle va se reconnaître. Je te fais plein de gros bisous d'ailleurs. Alors Belle du Pain, c'est une marque avec qui je travaille depuis un petit moment. Et en toute honnêteté, je suis vraiment trop heureuse d'avoir eu la chance avec ma sœur de pouvoir me faire cette collaboration qui n'est même plus une collaboration, c'est vraiment un peu plus que ça. Je suis
super contente. Devenir égérie à mon âge, ça sonne vraiment comme un espèce d'accomplissement personnel, genre voir un rêve carrément. Pour ça, j'aimerais vraiment, vraiment remercier toute l'équipe Belle des Pins de nous avoir choisi, entre autres, de nous avoir fait confiance. J'espère sincèrement que ce n'est qu'un début et je sais que c'est qu'un début. J'adore vraiment ce que je fais. J'espère que ma communauté va continuer à me supporter autant que vous le faites parce que c'est grâce à vous que j'en suis là, c'est grâce à vous que je fais tout ça. Je suis vraiment, vraiment reconnaissante par rapport à ce que vous me permettez de faire, en fait, tout simplement. Un grand merci à vous tous. Merci de me regarder encore une fois dans une vidéo. Sur ces douces paroles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like ou un commentaire ou bien à me DM sur Instagram. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là que j'y suis plus active. Je vais sûrement faire un concours avec Belle des Pins. Donc c'est vraiment sur Instagram que je vous fais participer à un maximum de mes décisions par rapport à YouTube, par rapport à un peu de tout, tout simplement. Je fais beaucoup de sondages. Sur ce, je fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très prochainement, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.